Et loin des agitations de la ville de Papeete, ce voyage culturel et sportif réalisé par Ismaël Oukena et ses nageurs à Eyatea. Après un accueil traditionnel, les trois nageurs se sont lancés dans un parcours de natation jusqu'à l'île de Taha, une sorte de relais qu'ils feront plusieurs étapes, un challenge qui a bien évidemment nécessité une préparation psychologique, comme nous l'explique Ismaël Oukena au micro de Julien Vesco. Je les ai préparés deux mois de formation, comme on dit, hein. C'est de préparer le mental, et théorie et pratique. Ça fait deux mois que je les prépare. Parce qu'il faut savoir que rester dans l'eau pendant 6 heures, si on n'est pas habitué, on tombe vite malade, hein, le froid et tout ça. Là, ils seront trois à nager ce matin. Et par contre, demain, on va faire par deux, par binôme. Ah, ce matin, c'est trois d'un coup. C'est trois d'un coup. C'est justement parce que comme c'est le premier jour, et puis je veux aussi voir la qualité et la performance.